c'est un nouveau revers pour Boris Johnson. Order. Une seconde fois, les députés britanniques ont rejeté sa requête, organiser des élections législatives anticipées dès le 15 octobre. Ce scrutin aurait permis au Premier ministre de se donner une nouvelle majorité pour mener à bien sa stratégie de Brexit. Mais l'opposition ne lui fait pas confiance, elle veut à tout prix éviter un no deal, un départ sans accord. Pour s'en assurer, le Parlement a voté une loi la semaine dernière. Elle contraint Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit si aucun accord n'est trouvé avec Bruxelles avant le 19 octobre. Mais le Premier ministre s'y refuse. Nous ne permettrons pas que le résultat catégorique du référendum sur le Brexit soit progressivement étouffé par de nouvelles divisions et des paralysies calculées. L'opposition fuit son devoir de répondre à ceux qui nous ont mis ici. Elle ne peut pas se cacher pour toujours. À l'issue de plusieurs heures de débat, le Parlement a été suspendu pour 5 semaines. Il ne siégera à nouveau que le 14 octobre prochain.